Bienvenue à la table de Comme un chef, une table que j'ai eu le plaisir de dépoussiérer après plus de 4 mois de confinement. Et je dois vous le dire en toute honnêteté, j'ai jamais eu autant de plaisir à faire la poutre. Une table que nous sommes venus installer ici, au rez-de-chaussée du magasin Restorex à Comté. À mes côtés, son directeur, Pierre-Alain Perrolo. Bonjour. Bonjour. Depuis quand est-ce que vous vous occupez du magasin Restorex à Comté? Alors, je m'occupe depuis 1998 du magasin de Restorex de Comté et de Renan. Et la maison, l'entreprise a été fondée en 1970. Et à qui s'adresse le magasin Restorex? Alors, le magasin Restorex s'adresse principalement à tous les métiers de la restauration. Mais aussi aux particuliers? Absolument. Nos magasins sont complètement ouverts aux particuliers. Alors justement, parlons-en un petit peu de ce matériel. Quel genre de produits on trouve ici? Alors, on va dire qu'on trouve de la petite cuillère à l'installation complète. C'est-à-dire qu'on va trouver tous les couverts de table, la vaisselle, la verrerie, ainsi que tous les accessoires casseroles, marmites, louches. Tout le matériel, le gros matériel professionnel, comprenant les fours, les fourneaux, les outils de production pour les professionnels. Quelles sont les prestations proposées par Restorex? Principalement le conseil à la clientèle, un bureau d'études et des commerciaux pour toute la partie de planification et de réalisation de grandes cuisines que nous assurons jusqu'à la pause des chantiers, ainsi que tout le service après-vente afin de maintenir en état l'ensemble du matériel acheté. Vous avez choisi de nous présenter un plat que vous affectionnez tout particulièrement, mon cher Pierre-Alain. Il s'agit des gnocchis rouges comme la place, que l'on peut déguster au restaurant de la Place Rouge à Erde. Et qui mieux que le chef du restaurant de la Place Rouge pour nous les présenter? Il s'agit de Piotr Vassili, russe d'origine, que je vous propose de retrouver immédiatement au premier étage du magasin Restorex à Comté. La particularité de cette recette, les gnocchis rouges comme la place, c'est que c'est une recette d'origine russe. Comme l'est d'ailleurs notre chef d'aujourd'hui, Piotr Vassili, qui est né en Russie, n'est-ce pas Piotr? Ah, non, je suis né grimisois. Ah, famille grimisois. Je ne voudrais pas vous vexer, mais alors je me permets de vous dire que vous avez bien gardé l'accent. Premier dire ça moi. Ouais, premier. Très bien. On commence par les gnocchis. En l'occurrence, on commence par quoi? Bolmicher. C'est-à-dire? Bolmicher. Bolmicher. Ouais. Bolmicher. Voilà. Non, pas pusher, ball, misher, ball, t'es ball. Ball. Ball, mais les chers, n'est-ce pas sobni, ball, misher, cupoule. Ah, ok. Cupoule. Ok. Voilà. Oh, mais n'est pas cendrier, cupoule, cupoule. Vous préférez celui-ci? Non, n'est pas sobni, allez. Excusez-moi, j'ai un peu de peine à vous comprendre. Il y a tradish, tradish, tradish. Bonne idée, très bonne idée. Ball, misher, n'est pas sobni. Incapable. Je vous en prie, Vassili. Bol Micher, Bol Micher, Bol Micher, Bol Micher. Oui, alors. Ah là, je pense que c'est ça que vous appelez non. Chez vous en Russie un Bol Micher. Bol Micher, cupoule, parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Bol Micher? Farine. On incorpore les ingrédients tout en douceur. Douceur à la russe. Des ingrédients pour patates. Les gnocchis. Ok. Œuf. Très bon bien, œuf. On va le... Oh. Ah non, on le met comme ça, très bien, direct. Sel. Original. Un peu de sel. Poivre. Parfait. Et voda. Et on rajoute le dernier ingrédient essentiel à la préparation des gnocchis, c'est l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tourner. Super. Et pendant que ça tourne, on fait quoi? Pause café. C'est-à-dire? Pause café. Café, 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 café. Je vous comprends pas. Ah, tradish, нет, способни. Café. Café. Ah bon? Alors, je vais être honnête, en plus de 70 émissions de Comme un chef, c'est la première fois que dans la recette, il est inclus la pause café. C'est assez troublant. Alors, heureusement, on a ça pour tes mains. Café, café. Je constate, Monsieur Piotr, que vous m'avez déjà considéré comme votre commis dans cette émission. Je fais pas mal de choses. What else? Ah! Voilà prêt! La pâte de gnocchi est prête. Reste plus qu'à les apprêter. Je vous laisse faire. Ah! Voilà. On prend déjà le bol, c'est assez surprenant. Et. Hop! Okay. Voilà. Et gnocchi prêt! Alors, je dois vous dire honnêtement que la technique russe est bien plus efficace qu'une technique... bien chez nous. Je vous propose qu'on attaque avec la sauce rouge, rouge comme la place. Da. Qu'est-ce qu'on fait? Carottes trancheuses. Oui, d'accord. Carottes trancheuses. Alors voilà Piotr, la trancheuse. Oh, trop colossal, trop gros, trop gros. Petite, petite, petite. Monsieur est exigeant, je peux comprendre, c'est lui le chef.
Alors voilà, ça vous va comme ça? Trop grosse carotte trancheuse, tic-tac, tic-tac. Okay. Carotte. Et celle-ci, est-ce que ça vous va? Non, bonne trancheuse, parfait. C'est passé, va. Ensuite, carotte. On coupe la carotte, bien sûr. Mmh. On va devoir l'éplucher. Ah, on goûte la carotte toujours. Bon carotène. Ah non, 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 une quarantaine de carottes, ça va être pas possible de les éplucher maintenant dans l'émission. On peut passer peut-être à la suite directement. Après les carottes, qu'est-ce qu'on fait, Pierre? Vodka. Mmh. Ah, ok. Mais carottes. Ah bon. Mmh. Ah non, ça, vous ne pouvez pas faire. Excusez-le, Pierre, vous ne pouvez pas faire ça à l'antenne. Vert. Quoi? Vert. C'est-à-dire? Vert. Non, 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 vous ne pouvez pas le faire. N'est-ce pas somni? Vert, n'est-ce pas somni? Pardon, excusez-moi. Vert. Vert. Ah, ok, un verre, ok. Vert. Oui, alors, un verre, voilà. Quoi? Ah, parfait. Ah, d'accord, très bien. Nazdorovie. Nazdorovie. La suite. Friture oignon. Ok. Friture oignon. Friteuse. Ah, friteuse. Friteuse. Okay. Alors, voilà, monsieur Vassili. Non, paf. Friteuse, tu petite, tic, friteuse. Ok, d'accord. Donc, j'imagine que vous préférez ce genre de friteuse. Non, bonne friteuse. Ok, bonne friteuse. Hop. Très bien. On y met quoi dans cette friteuse? Oignon. Mm-hmm. Un peu d'huile peut-être aussi avant? Si. Ok, j'y vais, je vous aide. Voilà. Hop. Tomate. C'est bonne tomate. Ok. Hop. À la bonne franquette, hein? À la russe, on va dire. Brousse. Et ensuite? Ouais, poivreau. Non, là, je vous permets pas. Poivreau que... Non, arrêtez d'insister avec ça, j'ai à peine mouillé les lèvres. Ah, mais c'est pas somni. Poivreau. Quoi? Alcoolique. Non, oh, Piotr. Poivreau. Ah, le poivron. Pardon, décidément, on a des problèmes de connexion, excusez-nous. Hein. Poivreau. On le coupe de manière, là encore, de manière, voilà, c'est même brutal, hein. Le pauvre, je l'ai entendu crier. Voilà. Ouais. C'est tout. Mixo. La vodka, on l'utilise à quel moment? La vodka, petite goutte. Ok, une petite goutte. Alors petite, une larmiche. Ouais, non, c'est une grosse goutte, on va dire. Hein. Oui, c'est là. Donc la vodka, elle fait office d'eau aussi, hein, chez vous. Voilà. Et maintenant? Mixeur. Oui. Alors, voilà, Piotr. Non, pas tondeuse, mixeur, boum boum. J'aurais dû m'en douter. Parce que celle-ci pourrait faire l'affaire. Parfait, bien mixeur. Parfait. On mixe. Ah bah, c'est déjà terminé. Et là, ça nous donne quoi? Entrée, soupe. Ah, ça n'a rien à voir avec les gnocchis? Yeah, gnocchi, non. Oh. Ok. Sauce tomate. On y va franco de porc, comme on dit chez nous. Et poché cognier. Qu'est-ce que c'est poché cognier? Poché cognier, fromage russe. Ah, c'est du fromage russe, du poché cognier. Quelle est la particularité de ce fromage russe? Bon fromage. Hein. Très bien. Grillé. Oui, grillé, avec un des fours qui se trouve derrière vous? Niet, grillé. Ok, je crois que j'ai compris. Un chalumeau? Da, bon chalumeau. Parfait. Avec le chalumeau. Chaud, chalumeau. Ah, c'est marrant ça. Chaud, chalumeau. Chaud. Et voilà, votre recette des gnocchis rouges comme la place sont prêts à être dégustés chez vous, accompagnés d'une syrah joliment poivrée de Nicolas Zuffray de la cave Les Bernunes à Sierre, un vin qui vous est proposé par Marie-Linder des Vins du Valais. Ou alors n'hésitez pas à les déguster cette recette pittoresque au restaurant de la Place Rouge à Erde. Vos jours d'ouverture, mon cher Piotr. Mercredi, vendredi, 19:45, 21:30. Plus d'infos, www.restaurantdelaplacerougeaerde, juste après Ardon, à gauche en sortant de l'autoroute.ch. Le mot de la fin, Piotr, il est pour... Merci.